Bonjour tout le monde, je crois que j'ai un petit souci de jeu. Ouais, ça a planté, merde. Je relance. Ça va être la vanne à chaque démarrage de live, je le sens bien. Alors, tac. Est-ce que c'est bon? Ouais, c'est bon. Du coup, on va pouvoir commencer. Hop, ouais. On était niveau 3 du personnage et niveau de l'oasis 3. Dis-moi si jamais tu m'entends pas bien et si la musique est trop forte ou pas assez. Salut, Little Aria. Alors, j'essaie de me remémorer où j'en étais exactement. Ouais, d'accord, ok. J'ai qu'une rumeur. Donc je vais sortir. Ok. Impec. Je tourne mieux la tablette vers moi, comme ça je peux te lire. Hop. Je pense que je vais sortir. Ah non, ouais non, c'est vrai, j'avais sauvegardé avant de dormir. Je viens de me souvenir, faut que je le fasse dormir. Je sors pour rien, tout va bien. Hop, dormir. Oui, voilà, fais dodo.
Il y a du monde. On a un paquet de monts chouettes. Et on a Miu, qu'on a rencontré du coup dans le précédent épisode. Eh bien, quelle oasis? Elle est bien plus grande que mon hameau. Un voyageur, si mon chouette. Ok. Alors, pour info, du coup, les monts chouettes, ce sont, enfin, c'est une espèce de peuple en voyage qui vient dans les oasis et qui achète plein de trucs. En gros, c'est un peu les touristes, quoi. Tu vois, ils viennent et ils te dévalisent tes magasins. Les tas de sable parce que du coup dedans des fois il y a des petits trucs qui traînent. Ok, et on va aller tout au début du village. Ouais, c'est bon pour le commerce, c'est ça. Ah, la monnaie du jeu c'est du coup des aquagemmes, ça s'appelle. Tu es là, bonjour. Donc cette ouade croisée au mont Kidung excellerait dans le maniement de la lance. Donc ouais, en gros, elle a une lance. Et la lance, elle est forte contre les serpents qu'il y a dans le désert. Je suis venu comme promis. Voilà donc à quoi ressemble ton oasis. Oh, aïe, c'est vrai, je me suis blessé en venant ici. Genre, elle a oublié qu'elle était blessée, tout va bien. Ce n'est qu'une égratignure, je pense que trois petits remèdes suffiraient à me remettre sur pied. Mais je ne saurais pas les synthétiser. Ah, donc là, il faut que j'aille dans ma source pour synthétiser des remèdes, c'est ça. J'en ai déjà deux dans mes poches. Ouais. Ah oui, je veux mon. Je vais pas la laisser crever sur place, voyons. Vous avez décidé de vous occuper de ce dont vous a parlé Miu. Miu. On dirait un petit chat. Miu, miu. Alors, du coup, ouais, dans ma cabane, en haut de ma cabane, du coup, il y a une source où je peux synthétiser des trucs. On a débloqué ça dans l'épisode précédent. Du coup, je peux synthétiser des armes, des remèdes, tout ça, tout ça. Donc, bah, on va aller lui faire un remède. Salut Maritza Coco. Donc là, je disais que du coup, on va synthétiser un remède comme elle nous l'a si gentiment demandé. Et voilà. Ça fait des chocs à pic. Ouais, ça va. Ça va, ça va. J'ai réussi à écrire aujourd'hui, je suis content. Alors, j'adore les petites musiques de victoire là, comment ça te hype alors que t'as fait juste une petite potion. Tout va bien. Alors, on va aller lui donner. Du coup, si tu te souviens bien, quand t'as regardé la vidéo YouTube, il y avait une ouade avec une lance qui nous a aidés dans la grotte. Et c'est elle qui nous rend visite là aujourd'hui, du coup le lendemain. J'espère que je l'ai pas zappé. Ah merde, je l'ai zappé. Je parlais et du coup je l'ai pas vu. C'est pas grave. J'y retourne. On va se refaire un petit tour, c'est gratuit. Ah, c'est mal foutu au niveau du joystick là. Bon, voilà, c'est bon. Où es-tu? Sur le tutu. À mon avis, elle est dans l'allée avec toutes les boutiques. La musique te manquait. Elle est si bien que ça, la musique, je me rends pas compte. Ah, c'est vrai qu'elle est un peu fun, la musique. Allez, hop, on lui donne. Ces remèdes sont pour moi, vraiment, merci. Laisse-moi te remercier avec cet habit de voyageur. J'espère qu'il te plaira.
En tout cas, je suis sûr qu'il tira comme un gant. Ah, je vais être à la mode du désert là. La hype. C'est moi le grand chef. J'ai les fringues les plus stylées. Ça ne m'étonne pas que tu aies réussi. Non seulement tu sais te battre, mais en plus tu as su m'aider. Et donc, elle est contente. Et donc, quand on est content, on emménage dans l'oasis. Bah oui, Granit, j'aimerais m'installer dans ton oasis. Non, sérieux. On se connaît bien maintenant et je pense que notre alliance pourrait être bénéfique à l'oasis. J'espère qu'on continuera à bien s'entendre, Granit. Bah j'espère aussi, écoute. Hey, victoire! L'ouad Miou s'est installé dans l'oasis. Ok. Et donc, ça fait 6 gens dans notre oasis. C'est merveilleux. Ok. Voilà, 3 petits points au-dessus de la tête. On va lui parler, je pense. Hop. Je me souviens avoir vu un jeune Granéen dans la grotte de la Jarre quand j'y menais mes recherches. Il se tenait à l'entrée de la grotte sans bouger. Je me demande s'il va bien. Ouais, ça a pas l'air d'aller, hein, s'il bougeait pas. Ce granéen serait coincé à l'entrée de la grotte de la Jarre. Essayons de deviner à quoi ressemble la grotte de la Jarre. Celui qui trouve a une cacahuète. Bon, alors, on va juste aller voir du coup. Je vais voir la tenue là qu'on a débloquée, je suis curieux, je veux savoir à quoi ça ressemble. Alors, une cacahuète, c'est trop peu. Eh, potentiellement, ouais. Une chips peut-être. Ah, tiens, du lierre solide, il nous faut. Habit léger et confortable pour les voyageurs. Eh, ça peut être pas mal ça. Bah, du coup, quand on récupérera un lierre, on se la fera. Elle est chouette. Vert, rouge, marron. C'est sympa comme couleur. Allez, hop. On peut pas aller plus vite là. Ah non, je veux pas rentrer chez moi. Non. Je voulais aller plus vite. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. On va se faire le tour comme ça. Il y a encore des trucs dans les boutiques, tout va bien. Personne n'est en rade. Alors, faudra vérifier en rentrant. Ok, bon, c'est pas grave. Alors, la grotte de la Jarre. Je vais juste regarder pour être sûr quand même. Granéen dans la Jarre, voyageuse nonchalante. Ah, c'est vrai que j'ai pas reparlé à l'autre là aussi, elle avait 3 petits points au-dessus de sa tête. Je suis pas concentré aujourd'hui, ça ne va pas, je fais des conneries. Bon, on reprend. On va aller voir l'autre là, parce qu'elle avait pas fini de nous parler visiblement. On va y arriver. Ah, il y a de la rupture dans l'air. Elle est là. Bah si je suis bête, je lui ai déjà parlé. Ouïouïouï. C'est pas la journée, hein. Bon, c'est pas grave, on va réapprovisionner tant qu'on est là. J'ai pas de matériaux à livrer. Bah oui, non, je suis bête. On va aller cueillir des machins dans le potager. C'est pas grave, t'en fais pas. Je vais y arriver. Je suis dyspraxique hein, aussi, faut savoir. Donc, je m'embrouille très facilement quand je fais plein de trucs à la fois. Le principal, c'est qu'on s'éclate, hein, j'ai envie de te dire. Après, le reste, c'est pas trop grave. Alors, ok, du coup, on va lui livrer ses fruits. Okay. Bon bah 3, c'est déjà pas mal. Non mais c'est bon, oui. Voilà. Ok, elle est contente, tout le monde est content, tout va bien. Et lui, il lui faut quoi pour ses moulins du coup? Des branches fossilisées.
Hop. Voilà. C'est bon, tout le monde est content. L'oasis est à un bon niveau. On peut y retourner. On va aller voir la fameuse grotte de la Jarre. C'est marrant parce que la grotte de la Jarre, ça me fait un peu penser au génie de la lampe. Je me dis, le génie, il aurait pu être dans une jarre. J'essaie de me rappeler des commandes aussi. Ouais, c'est ça, c'est bon. Tout va bien, j'ai pas oublié. Le génie de la jarre. Oula. Alors, attends. Oh, je suis devenu trop fort. Cette force, cette puissance. Bon, allez, toi aussi, hein, tant que t'es dans mes pattes. Voilà. Ok. Fight, fight. Il m'a même pas vu. Ah, si, il m'a vu. J'étais en train de me dire. Je passe à côté, il me voit pas. Ah, tiens, il est niveau 2, un petit peu plus fort. Ouais, bon, ça fait qu'une touffe quand même. Alors, à mon avis, la grotte de la Jarre, c'est le gros bidule là. Je sais juste plus comment on entre. C'est pas grave, on va tourner un peu. Ça se trouve, c'est pas très compliqué en soi. Ceci est une grotte. Est-ce qu'on peut rentrer par là? J'ai pas l'impression, non. Le monde entier est un cactus. Est-ce que... Ah, tiens, tiens, tiens. Ça a l'air d'être une entrée, ça. C'est merveilleux. Eh bah ouais, on y est. C'est donc la grotte de la Jarre. Et il est là, le bonhomme. Hé, toi, est-ce que tu pourrais me débarrasser de ce monstre, s'il te plaît? Ah ouais, mais t'es pas cool, j'ai pas la nana à la lance là. Bon, c'est pas grave. On va essayer de se... Oh purée. Aïe! Pas touché. Tu ne me touches pas, j'ai dit. Voilà. Non mais, un peu de respect pour tes supérieurs. Allez, hop. Donc bonjour anonyme. Merci, j'avais tellement peur de me faire dévorer que je ne pouvais plus bouger. Oh là là. Moi c'est Lot et toi, Lot. On dirait le nom d'un poisson. Granit, enchanté. Dis-moi, tu as un peu de temps là? Il faut que je continue un peu plus loin pour aller chercher quelque chose. Mais c'est bourré de monstres dans le coin et tout seul, je ne fais pas le poids. Tu ne voudrais pas m'accompagner par hasard? Mais si, mais si. Et on va se faire un câlin même, parce que t'es mignon. C'est vrai, tu me sauves. Dans ce cas, allons-y. Hey, let's go. Bon, alors, on s'est fait un nouvel ami. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, donc il doit avoir un pouvoir. Cette porte s'ouvre par l'autre côté. Il faut passer par le trou qui est là. Mais pour faire ça, il faut d'abord aller sur la fleur qui est là-bas. Ouais, bon, jusqu'ici, il n'y a rien de bien inquiétant, hein. Écoute, bon, je vais te prendre, vu que tu as l'air de savoir comment qu'on fait. Ok. Donc, ceci est une fleur. Lorsqu'il y a des fleurs comme celle-ci, je peux utiliser mon pouvoir spécial. On appelle cette capacité boule graine. Avec elle, je peux me mettre en boule et rouler. Les granéens qui ont certains pouvoirs peuvent déclencher ce pouvoir en se plaçant sur une fleur de cette forme en appuyant sur A. Le pouvoir dépend de la couleur de la fleur. Sur cette fleur, vous pouvez utiliser le pouvoir boule graine et rouler pour entrer dans des endroits inaccessibles en marchant. Oh. Magnifique. Marveilloso. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un interrupteur qu'on pousse.
Et la porte est ouverte. Ah ouais, mais moi j'avais pas fait le reste là dans l'autre salle. Attends, t'es gentil, mais je dois retourner de l'autre côté, moi. Ah merde. Ah, il est encore là, lui. Pff, merde. Il a repopé. C'est pas grave. Je t'ai eu une fois. T'as pas l'air très doué. On va s'en sortir. Voilà, c'est bon. Mais pourquoi il y en a deux? Laissez-moi. Je ne veux pas. Je ne suis pas content. Non, tu me touches pas. Déjà. Tu seras gentil. C'est pas grave, ça me fera des niveaux supplémentaires. Ok, c'est bon, il est mort, tout va bien. On a géré de la fougère, c'est merveilleux. Ça, on peut pas l'activer parce que Micheline, elle est pas là. Non, on est d'accord, ils sont pas très doués, les serpents. Ah, ça sent le caca. Ok, qu'est-ce que c'est que ce truc? Voleur de pierre. Alors, on n'a pas de pierre, donc ah ouais, d'accord, il nous balance des pierres dans la tronche. C'est pas très gentil, ça, en fait. Hop, voilà. Bon. Voilà, on a tout récupéré, on est bien. On est bien, on est bien. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, tac. Ah mince. Bon, on recommence. 1, 2, 3. Hop. Non, mal visé. Tu es nul. Ça va aller. Hop. Là. Faut se mettre bien en face, apparemment, parce que sinon, il est pas content. Comment ça, non? Ah voilà, c'est bon. Ok. Faut pas me faire des trucs comme ça, moi. Vous êtes pas sympa. Bon alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel encore? Ah, on y est enfin. Je crois que c'est par ici. Par ici que quoi? Je l'ai trouvé. C'était donc bien ici que j'avais perdu. C'est des graines de légumes que j'ai dégotées il y a longtemps. Il paraît qu'une nouvelle oasis a été créée récemment et j'aimerais les planter là-bas. Eh bien, tu seras bienvenue chez moi. Quoi? Tu es le chef de cette oasis? Eh oui, eh oui. Ah ben ça, pour une coïncidence, on se reverra dans ton oasis alors. J'ai un petit truc à régler, mais je me mets en route dès que j'ai terminé. À très bientôt. Eh bien, à très bientôt, très cher ami. Alors, Lot a quitté votre équipe. Donc, nous avons résolu le mystère du granéant dans la jarre. Ce garçon croisé dans la grotte de la jarre voudrait cultiver des légumes dans l'oasis. Pouvoir, boule graine, bonheur. Bah, rien du tout pour l'instant, évidemment. Hein, sinon, ce serait trop facile. Oh, ceci était un portail. Bah écoute, oui, voilà, activons-le, c'est merveilleux. Donc voilà, donc comme ça maintenant on a un point de sauvegarde dans la fameuse grotte de la jarre. Par contre je fais mon curieux et je visite, hein, parce qu'on va pas louper des trucs quand même, ce serait bête. Voilà, apparemment pour l'instant on peut rien faire, c'est pas d'actualité, donc on va juste, tac, se téléporter. Et on va... Ok, donc ça c'était la jarre, donc on va rentrer chez nous. Voilà. Premier point de téléportation débloqué autre part que sur l'oasis, du coup. Et on a 65% du niveau 3. C'est merveilleux. Bon bah on va rentrer dans la cabane. La cabane du jardin. Qu'est-ce que... Ah oui, faut récupérer les sous. Tac.
juste regarder si je peux faire la si je peux faire la tenue. Je vais pas en démordre de mon truc là. Moi, je veux mes fringues. Ah non, j'allais dire. Non, bah non, toujours pas. Je sais plus comment on l'a le lierre solide. Bref, c'est pas grave. Je finirai bien par l'avoir. Et on fait dodo. Sûrement passion, oui. Non mais le pire c'est qu'en plus ils te disent que tu peux créer le turban passion, mais au final je me suis rendu compte que c'était bah, c'est celui qu'on a déjà de base, donc ça ne sert absolument à rien en fait. Enfin, à part si tu veux l'équiper après un autre personnage de l'équipe, du coup, potentiellement. Ah, donc Lot est venu. Voilà donc l'oasis gérée par Granite. C'est vraiment tout près de la jarre d'Irma. Bah oui. C'est le principe. Voyons. Ok. Ah, qu'est-ce qui se passe encore? Ça y est, j'ai encore plus de trucs là. Bon. Faut que vous arrêtiez hein, de vendre tout vos stocks là d'un coup. Hop. Allez. Ah, pourtant il y a encore du stock en boutique. Ouais, vous êtes pas content. Voyons. J'ai oublié de sauvegarder. Je vais sauvegarder là. Tac. Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Où es-tu? Tu es là. Bonjour, je voudrais parler. Hop. Merci pour l'autre jour, Granite. Alors, comme ça, c'est ton oasis. Tout le monde est plein d'énergie ici. Au fait, tu ne voudrais pas essayer de faire pousser les graines de légumes de la dernière fois? Je pense qu'elles devraient pouvoir pousser dans le potager de l'oasis. J'aimerais bien voir ce que ça va donner ici. Je peux compter sur toi. Ah, écoute, oui, on va planter des poivrons. J'adore les poivrons. C'est bon, les poivrons. Les poivrons, c'est la vie. Un beau légume. Hop. Et oui, on va s'en occuper. Tout à fait. Donc, on va voir notre vieux copain, le potager. Vanne de merde. Et on va planter les graines. Hop. Planter une graine avec A lorsque vous êtes sur la terre du potager, une graine pousse en 2 jours. Vous pouvez appuyer sur A pour utiliser des aquagemmes sur les graines que vous avez plantées. Ainsi, elles pousseront plus vite et donneront des fruits dès le lendemain matin. Ok, ouais, donc en gros, soit tu laisses faire la nature, soit tu speed un peu le truc, quoi. Avec ton argent, hein, parce que sinon, c'est pas drôle. Ouais. Ah, on peut grouper. Ah, bah écoute, vas-y, un groupe. Voilà. Ok, et du coup si je fais ça, juste par pure curiosité scientifique, n'est-ce pas? Oh! Eh, moi aussi je veux savoir faire ça. Je veux manger un poivron. Et moi aussi je veux. Ah, on peut pas tout de suite, non, d'accord. Donc bah va falloir attendre demain. Je suppose je vais quand même ramasser ça. Voilà. Comme ça, si l'autre elle me dit eh, j'ai plus de fruits, ben, on aura des fruits. Hop, voilà. C'est merveilleux. Et on peut sortir et lui dire hey, j'ai planté les poivrons. Non, mais t'étais même pas derrière moi là tout à l'heure. Fais pas genre. Ah, tu as planté les graines de poivrons. Je suis pressé de voir le résultat. À propos, avant de venir ici, j'ai fait la rencontre d'un marchand ambulant du côté du mont Kidung. Ok, ça marche. Salut Maritza Coco.
Tu verras le la vidéo entière sur YouTube quand elle sortira du coup. Bon rendez-vous. Alors du coup ouais, il a fait la rencontre d'un marchand ambulant du côté du mont Kidung. Il était à la recherche de quelque chose, peut-être qu'il est encore là-bas. D'accord, donc bah en gros faut que j'aille au mont Kidung. Allons au mont Kidung, n'est-ce pas? Et re-sauvegarde parce que je suis toujours parano, n'est-ce pas? Tac, voilà. Ok, c'est parti. Donc. Suivons la flèche, n'est-ce pas? Ouais, bon, par contre, faudrait les élever de niveau, hein, les machins, parce que là, c'est un petit peu trop facile. Hop. Tu es ridicule, ça suffit, arrête. Voilà. Hop. Ok, ça c'est bon. T'es toujours là, Aria? Ouais, je me demandais. Je m'amuse avec les tas de sable. Hop. Voilà. Bonjour. Grumble, voilà qui est fâcheux. Il paraît que quelqu'un aurait laissé des pousses d'herbe d'écho à l'intérieur d'une jarre qui se trouve derrière cette porte. J'ai écouté les rumeurs sans me méfier et suis allé voir dans la jarre. Mal m'en a pris, j'ai bien failli laisser ma peau. Je ne peux pas me résoudre à lâcher le morceau. Ah, je veux à tout prix mettre la main sur ce qu'il y a dans cette jarre. D'accord, donc en fait on est censé aller lui faire son caprice quoi. Ok, bon, et écoute. Ma voix est géniale. Ouais, bon, en même temps c'est vrai qu'il est pas très énergique ce jeu en soi, hein, mais j'adore parce qu'il est juste trop choupi et voilà quoi. Et oui, j'adore m'éclater à doubler les voix en fait. Voilà. Le petit plus. Où que. Ouais, par là. Ok. Ah, je suis déjà allé par là. Il y a tout plein de jarres à casser. Ouais, je vais avoir plein de trucs. Moi, j'aime les cadeaux. Moi. Oula, ok, c'est. D'accord. Je m'y attendais pas. Celle-ci, je m'en souvenais pas. Ouais, bon. T'es pas bien maligne, hein, quand même. Allez hop, voilà. C'est bon, c'est ça que je devais trouver. Apparemment, il y avait quelque chose dans la jarre granite, un petit sac. Est-ce que ce ne serait pas une de ces pousses dont parlait le marchand? Amène-la lui. Vous avez obtenu sac de pousses. Le sac de pousses. Hop. Moi, je veux les trucs dans les arbres. Hop, tac. Je vais même prendre. Je peux ou pas? Ouais, je peux. Hop. Et donc, on repart voir le chieur. Pour lui donner son machin. Qu'est-ce que je fais moi?
Pourquoi te compliques-tu la vie à ce point, voyons? Ouh, le gros tas de sable. J'aime les tas de sable. Hop. Alors. Hop là. Ouais, c'était par là. Ok. Tac. Bonjour. Ces pousses, ce sont des pousses d'herbe déco. Tu me les donnes? Merci. Mais tu sais que rien n'est gratuit pour un marchand comme moi. Tiens, prends ça. Ah, j'ai droit à un cadeau. Pousse fauteuil. Quoi? Tu es chef d'Oasis? Ma foi, je vais ouvrir boutique chez toi alors. Ah ouais, carrément, genre tu décides comme ça. J'ai pas mon mot à dire. Non mais ok, hein, écoute. Pourquoi pas? Hop, allez, on sort. Je vais vérifier mon temps de jeu, moi quand même, parce que je suis tellement à fond sur ce machin des fois que... Ah, ça va, j'ai encore du temps. Par contre, on me voit plus. On ne voit plus. Attends. Et la lumière. Allez, vas-y. Hop, on va pousser un petit peu la lumière. Et la lumière fut. Voilà, c'est très moche. C'est une webcam. Voilà. Comme ça, là, on me voit. Ok. Donc. Ah merde, c'est la nuit. J'ai traîné, c'est la nuit. Mon Dieu. Non, non, mais oublie-moi là. Je suis pas là. T'étais où? Pas là. Quoique. Ça pourrait peut-être quand même être bien de le payer. Ah, il y en a deux. Non. Ok. Il y en a un de maîtrisé. Non mais reviens là. Je cours pas moi. Voilà, c'est bon. Non mais... La caméra. Yo. Nous avons un mauvais réalisateur aux commandes. Bon, cassez-vous, je veux rentrer chez moi. Je n'aime pas les serpents. Cassez-vous. Hop. Je veux juste rentrer chez moi. Voilà, c'est bon. Nous sommes saufs. Ah, même pas niveau 4. Mais t'es un casse-bonbon, dis donc. Bon, alors. Ah, donc il est venu direct, en fait. Ah, c'est toi. Merci encore pour la dernière fois, mon Kidung. La dernière fois. Genre, c'était juste tout à l'heure, tu sais, en fait. Bah, c'est pas grave. Ton oasis est modeste, mais pleine de promesses. Je suis sûr que toutes sortes de gens vont venir s'installer ici. C'est une occasion à ne pas manquer. J'ai bien fait de quitter le Mont Kidung pour me hâter jusqu'ici. J'ai l'intention de vendre ici des graines de légumes et des pousses d'herbes déco. Passe donc m'acheter des bricoles à l'occasion. Il grogne beaucoup, hein, grand-père. Ah ouais, donc t'es là maintenant, en fait. Les marchands ambulants vendent des herbes déco et des graines pour le potager. Quand le niveau de l'oasis est assez élevé, ils vendent aussi d'autres objets. Vous pouvez non seulement leur acheter des objets avec des aquagemmes, mais aussi faire du troc pour échanger certains objets spéciaux contre d'autres. Ça m'intéresse. Mais pour l'instant, on va rentrer dans notre cabane et on va aller faire dodo. Ok. Y a des aquagemmes à récupérer. Ok. Money, money, money. It's a rich man's world. Ok, c'est bon. Et donc on va
faire dodo. Normalement, on aura de quoi. Enfin, on aura les poivrons qui seront poussés. Si je ne dis. Ah, ça y est, je peux la faire. Non, je peux pas la faire. Je peux pas la faire, mais je l'ai déjà dans mes. Je ne comprends rien. Je l'ai déjà dans mes trucs, en fait, apparemment. Ok. Eh bien, on va se saper autrement, n'est-ce pas? Parce que les vêtements, c'est important. Alors, la tenue de voyageur. Ça changera un peu. Ah, pour l'instant, on n'a pas d'autres turbans. Ouais, ça va, ça fait pas con avec. Bon, c'est un peu bariolé, mais ça fait pas con. Allez, hop, on fait dodo. Tac. Zéro voyageur, quatre manchouettes. On va se regarder là. Tac. Voilà. On va sortir. Et on va cueillir nos poivrons. Car moi, ces beaux poivrons, comment qu'ils sont beaux! Hop! Voilà. Et voilà. Et j'ai pas de graines à planter, donc, à mon avis, il va falloir en acheter au marchand. Ouais. Ah, bah il est là, lui. Déjà. Bonjour. Comment tu t'en sors avec ce que je t'ai demandé? Ah, non, je n'essaie pas de te mettre la pression. Bah non, pas du tout. Ah, ce sont les poivrons que tu as fait pousser avec les graines que je t'ai données. Non, non, tu vois, c'était avec les graines de quelqu'un d'autre. Arrête de faire ton jaloux, voyons. Impressionnant, ils sont tout lisses et brillants. Ils sont magnifiques. Je suis ému. Merci. Tiens, ce n'est pas grand-chose, mais accepte ceci en remerciement. Vous avez reçu quelque chose en remerciement. Pousse voyante. Pousse voyante. Je me demande ce que ça va donner, ce truc. J'adore ces poivrons que tu as fait pousser. Merci beaucoup. Et il est heureux. Oh là là, il est heureux. J'ai beaucoup abusé de ta gentillesse. C'est à moi de t'aider cette fois. C'est décidé, je m'installe dans ton oasis. Continuons à nous entraider. Bah écoute, ok. Yeah. Et un nouvel habitant, si c'est pas merveilleux. Vous pouvez maintenant faire pousser une boutifleur vendant des légumes. Nombre d'alliés. 7. C'est merveilleux. Oh, l'oasis peut passer au niveau supérieur. Au fait, tu savais qu'au sud-est de l'oasis, il y avait un endroit plein de gravats. J'ai aperçu un granéen qui courait dans cet endroit qu'on appelle Galerie Grava. Ok. Il criait, où est l'oasis? Alors, je me dis qu'il voudrait peut-être venir ici. Ok. Donc maintenant, il y a des gens qui s'amusent à crier Où est l'oasis? Il faut pas grand-chose pour se faire plaisir, hein, dirons-nous. Bon, du coup, on va aller monter le niveau de l'oasis, puisque c'est possible. Bonjour, Granit. Nous sommes de plus en plus nombreux et l'oasis déborde de vie. Unissons à nouveau nos forces pour la faire grandir. Ouais. Oh. C'est le moment de l'arc-en-ciel. C'est beau. Oh là là.
Ah ouais. Ah ouais, genre, vous m'avez pimpé mon oasis là en fait, c'est-à-dire. Mais c'est génial. Niveau 3, passé à 4, et on est passé à 40 PV ajoutés par le pouvoir de l'oasis. L'allée principale s'est agrandie, vous pouvez y placer deux boutifleurs supplémentaires. Granit, l'allée principale s'est agrandie. Tu vas pouvoir faire pousser plein de boutifleurs. Je suis pas amnésique en fait, Cocotte, là. On vient juste de me le dire, juste avant. C'est pas grave, écoute. Ils adorent répéter les choses dans ce jeu. Oula. Pourquoi il y a des tremblements de terre chez moi? Que se passe-t-il? Ouh. Ah ouais. Ouais mais non, là en fait, je suis pas d'accord. Il n'y a pas de chaos chez moi. Granit, tu sais ce que sont ces espèces de plantes lugubres? Des plantes du chaos? Ah, c'est comme ça que les appelait ton frère. Tout le monde va s'inquiéter en voyant ces choses pousser dans l'oasis. Qu'est-ce qu'on va faire? Granit, écarte-toi de cette plante. Un jour, tu seras chef, Granit, et ton tourbillon sera plus puissant. Par le pouvoir du tourbillon, les plantes du chaos dans l'oasis freinent les ventes de boutifleurs, des boutifleurs et empêchent tout le monde de vous faire des requêtes. Elles limitent aussi le pouvoir de l'égide de l'arc-en-ciel. Ok? Vous pouvez arracher les plantes du chaos avec votre tourbillon pour rassurer vos alliés et les voyageurs. Faites le tour de l'oasis et arrachez-les toutes. Arrachez-les toutes, arrachez-les toutes, les plantes du chaos. Hop. Allez, tac, dégage. À la chasse des plantes du chaos. Ok, c'est bon. Cette musique funeste. S'il y a des plantes du chaos dans le potager, les cultures n'y poussent pas et vous ne pouvez pas donner d'aquagemme aux plantes pour les faire pousser plus vite. Non mais c'est bon, tu m'as déjà dit qu'il fallait que je fasse tout le tour. Calme-toi. Je vais les arracher tes trucs. Il y a des trucs dans les plantes du chaos. Bon, de toute façon, voilà. Et non, mais vise bien là aussi. Voilà. Hop. Vous n'avez aucune graine à planter. Ok. On continue. Ce site est un bébé plante du chaos. Et un autre bébé plante du chaos. Ouais, bon, la menace est pas énorme. Hein. Il n'y a pas de quoi en faire un drame. Alors, tac. À mon avis, ces gens ont un problème avec la couleur violette, plutôt. Ouais, ça doit être ça. Hop. Allez. Dégage. Allez, vous aime. Ça aussi, au revoir. Là, il y en avait une. On va essayer de bien viser. Hop. C'est bon. Merci, Granit. Grâce à toi, il n'y a plus une seule plante du chaos dans l'oasis. Mais cela ne nous dit pas pourquoi elles ont pris racine ici. Granit, il faut que tu trouves quelqu'un qui puisse nous en dire plus sur ces plantes. Oui, mademoiselle. Bien, mademoiselle. Oui, qui, quoi, comment? Ah, bonjour. Chef, c'est terrible. Si on ne fait rien, l'oasis va disparaître sous les plantes du chaos. Quoi? Tu as éliminé toutes les plantes du chaos? Je savais qu'on pouvait compter sur toi, chef.
Pourquoi des plantes du chaos ont pris racine dans l'oasis? Bah ouais, c'est ce qu'on nous demande. Ouais. Désolé, mais je n'en sais pas plus que toi. La seule chose que je sais, c'est que ces plantes sont absolument terrifiantes. Oh là là. J'ai vécu dans une autre oasis il y a très longtemps. Là-bas aussi, un jour, des plantes du chaos se sont mises à pousser. Comme elles nous inspiraient un mélange de peur et de dégoût, on évitait de s'en approcher, mais elles se multipliaient. Finalement, cette oasis est morte. Elle a disparu. Je pense que c'est à cause de ces plantes, de l'influence qu'elles exercent sur leur environnement. Mais je n'en suis même pas sûr, si seulement quelqu'un pouvait nous en apprendre un peu plus. Dans ce cas, allons demander au maître de la jarre d'Irma. Le maître de la jarre. Il y a un maître dans la jarre, d'accord. Granit, tu te souviens de la grotte de la jarre dans laquelle nous nous sommes rencontrés? Le maître qui vit au fond de cette grotte a une culture époustouflante. Je suis sûr qu'il pourra nous renseigner sur ces sinistres plantes du chaos. Le truc, c'est qu'il faut être trois pour ouvrir la porte au fond du tunnel. Dans ce cas, moi aussi je vais t'aider. Je t'assisterai quand tu voudras choisir tes compagnons d'aventure et modifier leur équipement. Moi qui ne peux pas planter de boutifleurs et qui n'ai pas la force de me battre, j'ai enfin trouvé comment être utile. Chef, ça aurait, unissons nos forces pour redonner à l'oasis toute sa fraîcheur. Unissons nos forces. Ok, donc maintenant on peut faire une équipe en fait. Eh, c'est cool. J'ai construit ce stand avec l'aide des habitants de l'oasis. Tout le monde a mis la main à la pâte, tu peux me croire. Si tu veux changer les membres de ton équipe ou leur équipement avant de partir à l'aventure, viens me voir. Ok. Alors, équipement de l'équipe. En parlant à Saouré, vous pouvez composer une équipe pour partir à l'aventure. Vous pouvez aussi modifier l'équipement de certains de vos alliés ainsi que le vôtre. Vous pouvez changer d'arme librement, mais celle des alliés granéens doit correspondre à leur type d'arme. Sélectionnez équipement conseillé pour porter vos meilleurs objets. Quand il rejoint l'équipe, un allié granéen porte automatiquement l'équipement conseillé. Vous ne pouvez pas changer celui des animéens, mais il change d'arme en gagnant des niveaux. Ok, ouais, d'accord. Bon, jusque-là, j'ai tout suivi. Alors, attends, ça fait combien de temps que j'y suis, moi? Ah bah on en est déjà à 55 minutes en fait. Je suis en train de réfléchir. J'avais envie de faire mon curieux et d'aller voir un marchand avant de finir. Voilà, parce que je veux parler au marchand. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter du coup? On peut acheter des graines de poivron, ok, des pousse-fauteuils qui augmentent légèrement les ventes des boutifleurs de bibelots adjacentes, ok. La pousse savoureuse augmente légèrement les ventes des boutifleurs gourmandes adjacentes. La pousse voyante augmente légèrement les ventes des boutifleurs de mode adjacentes. Ok. Après, on a un turban du sud, une épée pousse. Ok. Et une vrille bourgeon. Ouais, donc en fait, on peut lui acheter des armes aussi, quoi. Je vais juste acheter une pousse savoureuse parce qu'on n'en a pas. Je vais racheter des graines de poivron. Je sais plus combien d'emplacements on a. Je crois qu'on en a 6. Ah, du coup, je vais prendre 6. On va pas faire la.
On va pas faire la quête tout de suite avec l'équipe, etc. Je vais aller m'occuper des boutifleurs plutôt et ce sera pour la prochaine fois. De toute façon, ça tombe bien parce que les boutiques sont un peu à la dèche là, je vois. Ok. Déjà, on va réapprovisionner. Tu prends zéro pause. Que dalle. Tu es mon esclave. Non, on va pas. Pas quand même. Alors, voilà. T'es content. C'est réapprovisionné. C'est cool. Les boissons. Ah bah du cactus, je fais que ça que d'en défoncer tout le temps. Tiens, voilà. Voilà, elle est contente. Ok. Le menu des boutifleurs. Tac. Alors, déjà, est-ce que j'ai une autre boutifleur à placer? Ah, j'ai deux autres boutifleurs à placer, ok. Alors, on a les plaies dans l'aine et les légumes. Tac. J'espère que je vais savoir gérer et que j'ai déjà le matos qui correspond à son truc. Parce que sinon, je risque de me tirer une balle dans le pied quand même. Oh, la belle boutifleur. Hop. Et une boutifleur ouverte. Enfin, ma boutifleur. Parfait. Je vais pouvoir commencer à fabriquer mes plaids et à les vendre. Ravi de te contenter, n'est-ce pas? On va mettre les légumes. Je suis en train de réfléchir là. Ouais, j'ai pas plus de place que ça. Ok. Bah écoute, là. Voilà. Bon, ma boutifleur est terminée et maintenant il me faut plein de clients. Ok. Bah écoute, des clients, t'en auras quand ils viendront, n'est-ce pas? Ok, du coup, à côté de. Ça, c'est les boutifleurs gourmandes. Mode, voilà. On peut lui foutre ça là. Ok. Les boissons. Gourmande. Ok, donc ça marche ici. Paf. Ah, du coup, celle-ci, on peut la ramasser parce que l'autre influe déjà sur les deux boutiques. Et en fait, je pense que je vais revoir mon agencement. Parce que ouais, on a un souci là en fait. Donc les légumes, on va la mettre là. Comme ça, on peut mettre l'herbe savoureuse là. Et donc là, on a des moulins. Et les moulins, on peut mettre une herbe fauteuil. Voilà. Donc là, j'ai boosté en gros toutes les boutifleurs de sorte à ce que ça rapporte plus de sous du coup quand les gens viennent acheter dans les boutifleurs et du coup
on va pas en fait on va pas aller dormir dans la cabane, on va se contenter de bah de sauvegarder là hein, je pense. Je réfléchis, ouais. Non mais je veux pas la carte en fait, laisse-moi tranquille là, je me suis bourré. Je désactive les trucs qui clignotent parce que ça m'embête. J'aime pas quand ça clignote de partout. Tac. Voilà. Les bâtiments qu'on a débloqués. Les nouvelles recettes. Ah, j'avais pas regardé ça, tiens. Bah cette épée là on pourra la faire la prochaine fois, la confiture rouge on pourra la faire parce que du coup l'épée pousse, on peut l'acheter chez le marchand, du coup c'est toujours intéressant. Et faudra qu'on achète aussi la vrille bourgeon parce que on voit qu'on peut faire une vrille magique avec. Donc là, va falloir au prochain épisode, il faudra manager le truc parce que va falloir équiper en fait les alliés qu'on a maintenant et qui peuvent nous suivre dans l'aventure. Donc, hop, on sauvegarde là. Voilà. Et du coup, bah, on va pouvoir se laisser ici. Merci d'être passé et au prochain épisode. Du coup, à la prochaine. Salut!